Donc, salut la gang, je vous fais une petite charte, plutôt je vous publie la charte complète du R2-D2 que j'ai faite ce matin. J'ai été obligé de couper au montage pour le VV Frog Show, parce que sinon on aurait eu un show de 45 minutes, mais c'est pas vrai. Mais ça aurait été probablement beaucoup plus long. Donc, je vous mets la charte complète qui dure 15 minutes ce matin, live, right away. Ça va, bien. R2-D2, oh yeah, c'est la charte qu'on va faire aujourd'hui et c'est mon choix personnel. Bien entendu, je vous invite à faire des suggestions pour les chartes dans les jours à venir, mais R2-D2, aujourd'hui, c'est mon choix personnel. Je me suis vraiment dit, c'est pas le first appearance, mais c'est une crisse de belle pièce. C'est une pièce unique, animated, avec du fucking sound. Je trouve qu'il y en a vraiment pas beaucoup, il y en a même pas 2000. Je suis un peu genre... Hostie, toutes les raisons sont bonnes, sauf le fait que c'est pas un first appearance pour que ça vaille plus cher plus tard, surtout à cause du Viviverse puis un paquet d'affaires. Donc, tu sais, je sais que le Golden Logo, c'est hot, le Golden Moment, mais pour moi, c'est l'équivalent de first appearance, oui, puis c'est un Golden Moment, mais ça, c'est comme un vrai 3D Premium Collectible Animated, etc. C'est comme le personnage. L'autre, c'est une représentation du personnage. Ça, c'est comme le personnage. À mes yeux, c'est R2-D2. On a R2-D2. L'autre, avant, c'était... une représentation en or de R2-D2. Je sais pas si vous comprenez un peu mon point. Puis, c'est une des raisons pourquoi je l'adore. Je pense que c'est un très bon guess. Et quand on regarde ça ici, 1977 pièces seulement. C'est un peu comme, fuck, y en a même pas 2000. Genre, fuck, tabarnak. Genre, je suis super bullish. Donc, R2-D2, on y va avec la charte du RSI le plus possible. Le RSI, c'est pas... Moi, c'est pas que c'est pas fiable, le RSI, sauf que c'est pas une chose que je préfère et que j'adore, le RSI. Personnellement, j'aime beaucoup mieux les stochastiques RSI et j'aime beaucoup plus les EMA que les stochastiques RSI. Donc, après, je sais que Jeg, que j'espère que je ne scrape pas ton nom encore une fois, et aime bien les RSI, puis il m'a présenté quelques trendlines, puis pas pour le R2-D2, mais dernièrement sur certains collectibles, je me suis dit que j'allais vous partager un peu plus de RSI à cause de lui. Donc, shout out à Jeg. Ceci étant dit, R2-D2, là je nous ai mis sur 2 heures, parce que si je nous mets sur du 12 heures, là on s'entend qu'on peut faire le même exercice, mais que c'est pas exactement aussi, on se sent pas dans le probant bien vite. Ben oui. Tandis que là aussi, on a l'impression de voir vraiment, bon, des réactions qui ont du sens. Pour ce qui est du R2-D2, là, vous voyez, notre drop de price était à 40 gems. On a quasiment commencé notre course à 274. On est allé monter jusqu'ici 326. Boum, grosse descente, grosse remontée jusqu'à 277. Là, on a fait des bottoms de plus. C'est sûr que notre premier bottom, lui, était à 170. Là, on est arrivé ici à 172, à peu près 115. Donc, vous voyez, on est encore dans le très bas, puis on a fait un autre bottom là-dessus. J'ai quand même l'impression qu'on s'en va sur... on va se promener là-dedans. Toink, toink, toink. Là, j'ai l'impression qu'on a chuté ici plus vite que je pensais un peu, mais j'ai l'impression qu'on va venir retester ici, puis s'en venir dans ces niveaux-là, justement parce que, regardez, c'est comme notre dernier gros top qu'on a fait avant celui-là. Il est à ce niveau-là ici, qui est 238, puis si je viens ici, ça arriverait genre dans 3-4 jours qu'on pourrait avoir touché un top, là, on serait au max ici, donc je serais prêt à voir une rise de price. Ensuite, pourquoi je serais prêt à voir une rise de price, c'est que quand je viens regarder dans ma charte de collectibles, je vois aussi, regardez, là, comment le prix est flat out ici, il ne voulait pas s'en aller uptrend, il ne voulait pas s'en aller downtrend, il a fait la même chose sur mon RSI ici. Ça m'amène quand même beaucoup de tension puis de pression. Là. C'est comme si on était pris en deux prix puis qu'on n'osait pas autant pétocher vers le haut que pétocher vers le bas. Puis vous voyez qu'ici, on a des résistances. Donc, probablement qu'il y a eu du combat ici. Les chandelles ont l'air de se promener souvent. Puis là aussi, ils ont été refus de passer plus bas. Réussite. Donc, on a presque refusé ici encore. Donc, il y a des résistances, ça c'est sûr et certain, on a quelque chose qui se passe dans ces niveaux-là à peu près. Donc là, qu'est-ce qui va se passer après? J'ai un bon feeling qu'on s'en va sur une uptrend pour le R2-D2. Surtout que, quand je regarde justement le RSI, si je reviens peut-être reconsolider dans le RSI, c'est que on voit que celui-ci, il avait touché un top, il a été touché un bottom quasiment deux fois depuis son top. Donc, je le verrais très bien sortir de son biseau descendant ici pour repartir sur la uptrend.
si je vais dans mon arbre ici, je me rappelle d'avoir placé d'autres trend lines. Je vais me permettre de cacher celle-ci. Qui pourrait être possible en tant que support trend line. Dans la mesure où si je regarde le R2D2 ici, son RSI, je vois que cette ligne-là en vert pourrait être jugée comme un très fort support. On pourrait même en voir un autre qui part ici, qui a été, vous voyez, refus de chute. Ça peut être jugé comme un refus. On vient presque consolider dessus. Oup, on refuse. Oup, là, cette fois, on le perce. Puis cette fois, là, on a l'air d'avoir une résistance à ce niveau-là. Puis j'aurais peut-être dû le mettre un peu plus comme ça. Là. Vous voyez, encore une fois, on a encore, comme je disais, une résistance, puis on passe ici sur nos points. Donc, bon, quand je vois ça, j'ai deux supports. Est-ce que ça fit avec les résistances qu'il y avait déjà de mis? Mais c'est là où que j'ai l'impression, justement, qu'on va tomber. On a un petit peu, je cherche, là. C'est pas TradingView, malgré que l'outil est écœurant. J'ai-tu perdu ma ligne? Je pense que j'ai peut-être perdu. Ah, elle était là. Donc, vous voyez, j'ai une résistance en rouge ici. Donc, on pourrait avoir une espèce de triangulation entre la rouge et la verte ici. Puis là, on est en train de rester entre celles-ci. Toink, toink. Là, on est revenu toink. On est revenu dans le bon. On a refusé un peu la chute de celle-ci. Même si on l'a chuté, ça va être une chute de flash. Donc là, on pourrait vraiment être retourné vers les quoi 48 sur notre RSI. Ce qui pourrait nous redonner une petite rise de price ici. Avant de refaire une chute, retourner dans les 35 du RSI encore, puis probablement le percer ensuite. Quoique la percée pourrait arriver là, on pourrait percer puis consolider sur cette résistance en rouge là, ce qui nous ferait probablement faire une percée presque dans les 190-200, ça serait très possible qu'il monte, puis je dirais qu'il pourrait monter dans les 215-220. Pour juste quand j'envoie avec les RSI. Ensuite, parce que là, on n'a pas fini, on a quand même un petit bout de stuff à faire. Là. C'est que, je vais rouvrir l'arme, ça va aller plus. C'est que si je remonte en haut puis que je vous remets toutes les EMA, qui sont justement mes indicateurs préférés, I like that so much. Si je regarde les EMA ici, sous mon 2 heures, là, ce que je vois déjà de prime abord, là, j'ai mon EMA 233 qui est ma ligne blanche que vous voyez ici. Cet EMA-là a été refusé de percer de façon constante et super probante ici, 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 boum encore. Donc, pour l'instant, tant qu'on ne fera pas une belle vague par-dessus ça, une belle consolidation, je suis très très bearish. Ensuite, ici, j'ai eu un gros fan-out qui explique justement, les EMA ont fait carrément ça comme ça, puis en descendant, fan-out. OK? Donc, on a vu ce gros comportement-là ici. Quand ça arrive, puis qu'on voit un rapprochement comme ça, justement, là, on va s'attendre à un retour uptrend. Je serais pas surpris, comme je disais, de voir les prix remonter jusqu'à 192 ici. Le EMA 55 en vert ici, c'est un des plus puissants EMA qu'on va retrouver. Généralement, on va voir la résistance. Puis, ça fit très probablement avec le plancher de prix qu'on a ici, là, vous voyez, ici à 189, puis ici on l'a flashé, donc aux alentours de 190. En ce moment, il était à 186. Donc là, on a comme pas beaucoup de jeu, là. 192 peut-être, là, en fait. Si on va plus loin, puis sinon le prochain, c'est au EMA 89-100, qui sont les deux jaunes qu'on a ici. Donc, si vous voulez mon avis, c'est aussi, c'est proche des 200, donc. On pourrait retourner au 200. Je serais sûrement pas surpris qu'on aille au 200. Puis à la limite, peut-être retourner le tester, lui, ici à 208. Mais il va falloir qu'on fasse des giga uptrend. Il va falloir être super bullish. Quoi que les EMA l'indiquent pour l'instant. Donc, on est sur du 2 heures quand même. Hein. Fait que c'est sûr que si je viens mettre ça sur du 6 heures, vous voyez que c'est notre EMA 8 qui est en... C'est ça, 8, le rose? C'est notre 13 ici qui est en train d'être testé puis qui est refusé. Là, parce que comme vous pouvez le voir, nos... Notre prix est stable. Okay? Donc, jusqu'à un certain point, il n'y a personne qui achète le R2D2 en ce moment. C'est un peu ce que ça m'indique aussi. Puis là, je vois pas sur le 12h, je vois pas le 6h, je vois pas le EMA 233, mais je suis pas mal certain qu'il est ici, là, au niveau ici à peu près. Donc, vous voyez, toink, toink, toink. Donc, bullish pour le. Pour l'instant, après ce que je peux voir, là, tout me donne du bullish momentum pour le R2D2. Sauf que bon, comment je dirais ça? Je pourrais me tromper dans la mesure où les EMA vont agir comme résistance jusqu'à un certain point. Sauf qu'en ce moment, ils sont en train de, après un beau fan-out comme ça,
À moins qu'il me fasse une giga chute, puis ça m'étonnerait qu'il ait défoncé cette support line-là en vert. Mais si c'est pour faire une chute, c'est parce qu'il va retourner ici à 174. Puis parce qu'on va avoir un gem squeeze de quelque chose, ou une mauvaise nouvelle, ou je sais pas si vous comprenez, ou une super bonne nouvelle, justement, parce que là, ça fait dur les drops qu'on a un petit peu, genre, en fin de semaine, c'est des cadres Star Wars, puis genre, Fantastic Four de Noël, un peu boboche. Donc, peut-être que, justement, la semaine prochaine, va être pas mal plus bullish. Puis là, il y en a qui vont dire, Chris, j'en veux plus de mon R2-D2, moi, je veux telle affaire. Donc, c'est très possible qu'on perde vraiment du momentum puis qu'on redescende plus bas. Si on redescend plus bas, c'est à cause d'un événement, parce que pour l'instant, après un fan-out comme ça, je nous vois aller refaire une consolidation pour remonter. Là. C'est un peu comme on a eu ici. Là. Vous voyez, mais moi, ils avaient fait un peu le même comportement. À un moment donné, ils veulent aller retester puis ils remontent ça. Mais là, c'est ça ici qui est en train de se passer. Là. C'est qu'on va finir par aller remonter ça, puis je serais pas surpris qu'on reteste. Noël, moi, 55,89. Donc, autour des 200-205, très possible qu'on y retourne. Si je regarde tout ça, parce que c'est la même chose ici, bien entendu, avec le stochastique RSI, là, j'étais sur le 12h, je vais aller mettre sur le 6h, qu'on se donne une vue globale. Donc, moi, les RSI, comme je l'expliquais rapidement en début de vidéo, c'est pas ma tasse de thé. Je préfère les stochastiques RSI parce que ça me donne. Je peux le placer sur plusieurs timeframes, puis j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de fiabilité sur ceci, puisque c'est un indicateur, je pense que c'est l'indicateur semi-automatique le plus réactif de TradingView que vous allez trouver. Les autres peuvent être souvent appelés des lagging indicators qui vous montrent ce qui s'est passé dans le passé. Le stochastique RSI, comme ici, celui-ci, en blanc, c'est celui de la courte time frame. Donc, on voit généralement ce qui va se passer sur assez rapidement. Okay? Comme ici, on est sur du 6 heures. Là, rendu ici, là, quand je vois un flat comme ça, là, mais j'aurais pu me préparer sur un méchant temps, me dire « Ah, oh, stochastique est dans le haut, le blanc. » Sur une courte time frame, on a un potentiel de tomber. Une fois qu'on a eu tombé, regardez, on a fait un autre flat zone. Puis ici, malheureusement, ce qui est un peu étrange, c'est qu'on a tombé. Donc là, probablement qu'il aurait fallu que je me fie à mon stochastique sur un autre time frame. Puis en même temps, je dis, on a tombé, mais on a eu notre rise ici. Oups. Qui est cette vague-là. Une chute. Une vague. Une chute. Tu sais, il est très, très, très réactif jusqu'à un certain point. Fait que c'est pour ça qu'on vient le mettre en corrélation avec deux autres timeframes. Ici, la chute est évidente, puis on aurait pu la mettre en corrélation avec la bleue qui était aussi dans son top en ce moment. Puis on voyait que la verte est en train de faire un flat zone. On voyait qu'elle perdait du momentum. Donc on pouvait se dire, ah, si elle a perdu du momentum, les deux autres sont dans le top, j'ai une bonne chute potentielle ici. Bonne chute potentielle dans mes chandelles. Et ici, c'est un peu ce qui arrive. C'est que je suis dans le top ici. J'ai pas l'air de vouloir casser pour l'instant, donc j'ai l'air de rester là. Puis ma bleue, elle est en train de monter. Donc là, si dans les 6 à 12 prochaines heures, on réussit peut-être à monter plus haut, puis qu'on se met à avoir une chute du stochastique blanc, puis une chute du stochastique en bleu, puis qu'on voit que le vert également perd encore de la puissance, personnellement, ça va être signe qu'on on va faire une autre vague downtrend. Donc, tout ce que j'ai dit tantôt avec les RSI, les EMA, ça se pourrait que finalement, on soit sur une bonne résistance. Puis comme je disais, si en plus, on a des news de Noël, ça peut faire mal. Donc, si c'est le cas, puis que je prends la peine peut-être d'enlever les EMA, vite fait, puis de vous montrer juste les trend lines. Donc, si je prends la peine de juste montrer les trend lines, pas les EMA, mais malgré le fait qu'on a touché notre bottom ici, je pense qu'on pourrait très bien retourner faire une espèce de double bottom ici, là, surtout si on a des big news qui arrivent la semaine prochaine. Donc, dites-vous que d'ici deux jours, si le prix monte pas et qu'il reste stable, puis qu'on a des big news, ça va pas être super bon pour le R2-D2. Puis ça dépend de la big news, parce que si la big news inclut peut-être du marketing, puis des nouveaux utilisateurs, puis de la. Bon. Fait que va falloir surveiller. J'ai beaucoup plus un feeling uptrend. Mais mes stochastiques RSI sur de prime abord me disent un peu l'inverse. Me disent uptrend pour éventuellement une chute. OK? Puis ma long time frame, elle me dit c'est sûr que t'es sur un bullish momentum, par exemple. Fait que la chute que je vois va peut-être être très très courte. Dans la mesure où, bien qu'on ait touché un top ici, avec mes deux time frames plus courtes, si celle-là. Si ceux-là, ils font pas un flat, puis qu'ils tirent pas la verte, puis qu'ils traînent pas la verte en haut avec les autres, ils vont me faire une chute, ce qui va me faire une vague dans ma
dans mon stochastic long time frame ici. Puis éventuellement, on va retomber en haut. Et un jour, on va être en haut en même temps sur les trois time frames. Oups. Sur les trois time frames. Mais qu'on sera en haut de notre niveau, notre palier de 80 sur nos trois time frames. Ben là, la chute qui va s'en venir risque d'être quand même magistrale. Mais je pense que d'ici là, on a la place pour monter plus haut pas mal. Puis la raison de pourquoi je pense ça, c'est à cause de ça ici. Puis ici aussi, on n'est pas, on n'a pas fini nos. Nos bullish momentum. Donc là, si je me permets de d'entourer ça en rouge, je suis bullish ici malgré le fait que mon court time frame est sur un flat zone en haut. Il peut traîner en haut pendant un bon moment et vice versa, il peut rester en haut un bon moment. Regardez juste ici, on est resté comme, c'est quasiment une journée et demie en bas. Donc si on reste une à deux journées et demie en haut, puis qu'on traîne les autres time frames avec nous autres, regardez ici, là, quand on a commencé et qu'on était en bas, ma bleue était à cette hauteur-là. Donc on a vraiment étiré, puis la même chose pour la verte, on a étiré nos deux autres time frames avec. Donc elle peut rester en bas très longtemps, ma blanche. Donc, 15 minutes juste pour ça, mais je pense que c'est important de faire le survol de tout ça, plus en longueur pour le R2. Des deux. Bien entendu, il y a une partie de tout ça qui va être coupée dans le VV Frog Show. Je vous resserre tout ça en extrait. Ça va bien. That's it. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.